papa, monte ma nana. Et tandis, Samy, na posa na yoé. Aba papa, mon limon nanga. Ezo ganga, koluka yoé, koluka yoé. Nana koti kateo, kotambole na yo. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, en tout cas, que Dieu vous bénisse. Nous nous sommes dans la joie de vous revoir encore ce soir. En tout cas, nous avons passé un très beau week-end par la grâce de Dieu et nous osons croire que c'est de la même chez vous. En tout cas, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse du bien. Est-ce que tu peux nous dire quand même shalom, toi qui es là bien-aimé, tu sais, nous vous disons toujours qu'à chaque fois que nous nous retrouvons, c'est en joie pour nous de savoir que nous avons une famille en dehors de la famille Calvaire, en dehors de notre famille physique qui est là, biologique. Et vous aussi, vous êtes parmi nous, parmi nos bien-aimés. Amen. Amen. Alors partagez rapidement pour ceux qui ne savent pas que nous sommes déjà live maintenant. Partagez, faites comme moi. Rapidement, là, nous allons partager afin que d'autres personnes puissent venir. Je sais que dès le début qu'on a commencé, directement, la connexion avait causé un problème, ça a coupé, mais maintenant, je crois que nous sommes bien. Voilà, donc partagez. Qui est là? Voilà, je suis en train de voir le couple Mercier, que Dieu vous bénisse. Je suis en train de voir Maman Tania Mayo, que Dieu te bénisse. Je vois Constance Matt, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Maman Mukunde, que le Seigneur vous bénisse. Je vois notre frère Vadi Batumbi, que le Seigneur vous bénisse. Partagez. Donnons quelques secondes simplement à d'autres personnes de se connecter rapidement. Et puis nous allons commencer ça. Un message très important que nous allons partager cette semaine ici. Et nous allons parler de l'offrande de soi. L'offrande de soi implique beaucoup de choses. L'offrande de soi par rapport à Dieu, l'offrande de soi par rapport à nos voisins, l'offrande de soi par rapport à l'Église. Et qu'est-ce que ça ouvre et qu'est-ce que ça implique? C'est un sujet tellement important, bien-aimé. Tu vas voir que quand tu comprends ce genre d'enseignement, quand tu appliques cela, ta vie commence à changer. Amen. Est-ce que je peux avoir quelqu'un qui peut dire amen? Amen. Alors partage parce que c'est un message très important. Yeah, shalom, ma fille Dorcas Ngandi, en tout cas. Amen, papa, bienvenue, Soglombe. Voilà. Amen, vraiment c'est ça, l'offrande de soi. Donc quand on se donne à l'Éternel, on a des résultats qui sont vraiment impeccables. Donc c'est de ça qu'on va parler. Amen, maman Tania Mayo. Et la prière ne rate jamais, je vous ai toujours dit que la prière ne rate jamais. À la fin de cette prière, il ne faut pas quitter, parce qu'à la fin de cette prière, nous allons faire une prière aussi des dédicaces du mois d'octobre. Amen. Parce que nous n'avons pas fait cela comme la semaine passée, on avait dit, on ne demande rien à l'Éternel, c'était juste la reconnaissance du bienfait de l'Éternel à notre égard. Tout ce que Dieu fait dans notre égard, nous avons décidé qu'on va faire un stop, on va faire un rétrospective, on va regarder sur le rétroviseur de notre vie pour remercier et cultiver ce cœur d'un vrai adorateur de Dieu, le cœur reconnaissant de l'Éternel pour tous ses bienfaits. Nous ne voulons pas simplement être des égaux, de flatteurs. Amen. Donc c'est un peu ça. Nous venons pas simplement pour flatter. Parce que quand tu demandes, toi tu ne donnes pas. Il y a toujours un flèche aller, pas de flèche retour. Alors tu deviens un flatteur, ce que nous appelons en français un flatteur. Et je prie dans le nom puissant et glorieux de Jésus que cela ne puisse pas être ton cas au nom de Jésus. Voilà, nous allons prier et nous allons commencer nos instants de la prière. Là où tu es, j'aimerais simplement t'inviter que tu puisses prendre quelques minutes de prier. Prends le temps de prier, implore la présence de Dieu là où tu es dans le nom de Jésus. Nous prions maintenant. Tendre Père, nous te disons merci pour le souffle de vie, tout ce que tu ne cesses de faire. Nous t'invitons, Saint-Esprit, que tu prennes le contrôle maintenant, change l'atmosphère, inspire-nous, Seigneur. Ce que tu as déposé en nous, que nous partageons avec ton peuple, laisse que, oh Dieu, qu'elle se puisse couler. Oui, Seigneur.
qu'il n'y ait pas de perte de mémoire, qu'il n'y ait pas de dégâts qui peuvent se causer. Voilà pourquoi j'ai besoin que ma langue puisse être conduite par le Saint-Esprit. La langue de maman Esther puisse parler de la part de l'Éternel. Oui, Dieu, que tu prennes le contrôle. Nos bien-aimés dans la maison, là où ils sont, papa, nous prions que l'atmosphère change maintenant, que tu ouvres leur cœur, leur esprit et leur âme, afin qu'ils reçoivent ce message avec de cœurs très prêt à produire des fruits, à accepter le changement, afin que notre vie puisse aller de mieux en mieux. Tu as dit dans ta parole, Seigneur, j'aimerais te voir prospérer à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Laisse que cette parole commence déjà à s'accomplir dans la vie de mes bien-aimés maintenant. Active cela, papa, dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Rebabrosse yandaraba. Oui, que l'onction de Dieu puisse te saisir là où tu es. Que l'onction de Dieu commence à se manifester maintenant au nom puissant et glorieux de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oui, tu invites la présence de Dieu. Tu invites la présence de Dieu. Nous venons ici pour prier. Nous sommes là pour prier. Et quand il faut bien prier, il faut que la présence de Dieu puisse être là. Sans la présence de Dieu, nous ressemblerons simplement à des cymbales. Oui, la Bible dit que tu vas ressembler à des cymbales qui retentissent simplement. Blanc, 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 blanc. Non, mais nous voulons que les paroles qui sortiront ici, que ça puisse être un parfum de bonne odeur, que ça puisse être de prière exaucée de la part de l'Éternel. Alors dispose ton cœur maintenant. Dispose ton cœur maintenant. Prête à recevoir. Prête à dire amen. Prête à participer maintenant au nom puissant et glorieux de Jésus. Père, je prie aussi pour toute personne qui a partagé ou qui partagera, papa, ce live de ce soir. Oui, que tu puisses, Seigneur, le localiser, papa. Que ta miséricorde, que ta grâce le localise encore particulièrement dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Reba brosse yandalaba. Merci pour toutes choses. Que la gloire te revienne, papa. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen et amen. En tout cas, que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Oui, vous qui êtes là, que Dieu vous bénisse. Partagez, partagez ces lives, partagez. Et j'ai toujours dit que la prière ne rate jamais. Voilà même le sujet que je suis en train de le sujet que nous sommes en train de parler. Le fond de soi. Tu vas comprendre cela, bien-aimé. Voilà pourquoi les gens seront étonnés. Reste toujours fidèle à ton poste. Toi qui continues à suivre ces lives, toi qui continues à prier ensemble avec nous, tu verras simplement que les gens vont regarder. Dans moins de 2 ans, il y a des choses qui sont en train de changer dans ta vie. Tu es en train de prendre une autre cours, un autre course of the life. Donc, ta vie est en train de prendre une autre direction, je t'ai dit. Oui, petit à petit, la maison ne se construit pas en une journée. La maison ne se construit pas directement avec des briques qu'on dépose comme ça. Non, c'est chaque jour que tu mets en brique. Et puis, ça est en train de s'augmenter jusqu'à ce que la maison va se construire. Donc, chaque jour que tu passes devant la présence de Dieu, tu es en train de t'approcher de Dieu, devant Dieu. Tu es en train de t'approcher devant ta bénédiction. Parce que les enseignements que nous donnons, les choses que nous parlons ici, ce sont des choses qui changent ta vie, qui changera et qui fera de toi que tu puisses être un chrétien et équipé à tous égards. Alors, ne garde pas ça pour toi. Partage avec des personnes que tu penses que non sont des personnes importantes, des personnes qui te sont chères. En tout cas, Dieu te bénisse. Je suis tellement content, maman Florentine Obel, toujours fidèle à son poste. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà, je vois Augustin Kumbi, que Dieu te bénisse. Nous allons lire rapidement ce verset. Nous allons lire ce verset biblique et puis nous allons entrer dans la profondeur de la prière. Tu es prêt? Prends le note, bien-aimé. Romains chapitre 12, le verset 1. Romains chapitre 12, le verset 1. Voici ce que la parole de Dieu a dit. Je veux, nous allons essayer d'aujourd'hui d'être très rapide parce que l'heure est extrêmement avancée. On est en train de faire en réalité une parenthèse. On est en train de faire quelque chose. On va vous informer peut-être pour notre communauté d'Ozana Magazine. On va vous informer peut-être cette semaine, le week-end ou la semaine prochaine par rapport à ce que nous étions en train de faire. Alors, j'exhorte, je rentre à la parole de Dieu. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen. Je répète la partie B qui nous concerne aujourd'hui. À offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est de votre part un culte
raisonnable. Amen. Amen. Nous sommes en train de parler de l'offrande de soi. Amen. On parle de l'offrande de soi. À l'ingala, on dit komikaba. Alors, l'offrande de soi, c'est quoi? Voilà. Amen. Bien-aimé, avant que tu ne puisses te dire que non, je vais offrir, tu dois d'abord savoir c'est quoi l'offrande de soi. Amen. C'est quoi que toi tu vas offrir en ces temps ici, dans ces passages ici, dans ces sujets ici. C'est quoi cette offrande-là que Dieu désire de toi? C'est ce que tu dois comprendre. Au fait, la... Ce verset ici est tellement clair. Ça nous dit que tu dois te donner toi-même comme offrande à l'Éternel. Ton corps doit être donné comme offrande à l'Éternel. Mmh. Tes pensées, tout ce qui est à toi. Mmh. Tu dois comprendre une chose. Ce n'est plus nous qui vivons. Mmh. C'est ce que la Bible nous dit. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Amen. Donc, c'est Christ là qui vit en toi. Mm-hmm. Ton corps l'appartient. Voilà. Et tu dois être capable d'accepter cela et de laisser, de te donner complètement que Christ puisse opérer en toi. Mm-hmm. Que Christ puisse vraiment bien s'asseoir en toi. Mm-hmm. Qu'il prenne le contrôle de toutes choses. Offre-toi. Accepte de te donner comme offrande à l'Éternel. C'est ce que nous allons parler aujourd'hui. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur bénisse quelqu'un ce soir. Amen, amen, amen. Et pour juste appuyer ce que maman venait de dire, en passant d'ailleurs, le deuxième verset d'aujourd'hui, on peut même parler de cela et on va reparler de cela. Mais juste pour accompagner les paroles de maman, vous allez prendre Éphésiens chapitre 5 à partir du 8e et 10e verset. Vous pouvez prendre note, Éphésiens chapitre 5, 8 à 10. Il dit ceci: autrefois vous étiez ténèbres. Mm-hmm. Autrefois vous étiez ténèbres. Alléluia. Et maintenant vous êtes lumière. Amen. Dans le Seigneur. Amen. Vous êtes lumière dans le Seigneur. Amen. Marchez comme des enfants de lumière. Mm-hmm. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Amen. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Ouh. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Mais avant que nous puissions en arriver là, maman vous a déjà donné un teaser. Mm-hmm. Amen. Amen. Il t'a donné déjà, ton cœur là commence à bouillonner. Et on va parler de cela aujourd'hui. Mais on va faire un petit rétrospectif. Rapidement, je vais vous introduire, je vais t'expliquer quelque chose. Et tu vas comprendre l'importance de ces sujets que nous sommes en train de parler. Tu vois, il y a des alliances. Mm-hmm. Quand on parle des alliances, on parle des liens. Mm-hmm. Le samedi passé, tu peux aller réécouter mon message que j'avais parlé de samedi passé. Je n'étais pas entré trop en profondeur. Tu pars sur YouTube, C3FR Espace TV. C3FR TV. Tu pars et puis tu vas trouver la prédication que je parlais de l'alliance de mon... Le Dieu de mon alliance. Parce que l'alliance, c'est quelque chose qui lie deux personnes. Mm-hmm. Et quand on parle de l'alliance, on parle des liens. C'est presque le interchangeable, ces termes-là. Et quand on parle de l'alliance, il y a l'alliance que Christ a établie entre nous et moi et lui, entre toi et Dieu. C'est par Christ que cette alliance, ça s'est fait. Il y a l'alliance, certains d'entre nous ici, est-ce qu'il y a des mariés qui sont là? Si tu es marié, dis simplement, je suis marié. Tu vas voir que non, dans le mariage, bien-aimé, c'est une alliance aussi. Une alliance, il y a un lien qui est établi entre deux personnes. Et ce lien-là, c'est comme dans la famille. Tu appartiens à une famille. Voilà pourquoi certains d'entre nous, nous portons le nom de nos familles. Le nom du famille, le nom de ton père, le nom de ta mère. Pourquoi? Parce que tu es en alliance. Tu appartiens à cette famille. Amen, est-ce que je parle à quelqu'un? C'est très important que tu comprennes cela. Parce que ça va nous ramener la semaine prochaine, Dieu permettant, nous parlerons de la délivrance, comment arriver. Donc, on va approfondir un peu sur ces choses. Alors, c'est ça, maintenant, ce qui va se passer. Dans ces alliances-là, il y a les alliances de famille que nous sommes liés, attachés par rapport à cela. C'est comme ça, tu vas voir une personne. Tu es devenu chrétien, né de nouveau, tu pars à l'église. Mais parce que tu es lié encore dans l'alliance de ta famille, que tu n'as jamais brisé. Amen. Amen. C'est comme ça que dans ton ADN, dans ton séquel, dans ton sang, il y a encore les symptômes ou les caractéristiques que tu as héritées de cette famille, de cette alliance-là. C'est comme ça que tu vas voir que quelqu'un qui est chrétien,
mais il est normal, après il devient ivrogne. Après il tombe dans la prostitution. Après il tombe dans des drogues. Pourquoi? Parce que ces liens-là, ces choses-là que lui, il appartient encore, lui réclament. Pourquoi ça lui réclame? Parce que dans un lien, il y a des sacrifices qui se passent. Et quand ces sacrifices ne sont pas donnés, les sacrifices ne sont pas au complet, il y a maintenant ce qu'on appelle des réclamations. C'est comme ça qu'on parle des réclamations. Et c'est, le diable ne fait que copier ce que Dieu a créé parce que le diable n'a rien créé. Amen. C'est comme ça que tu vois que Christ nous réclame en tant que ses enfants. Christ nous réclame, il a donné sa vie. Parce qu'il a donné sa vie pour nous. C'est ça le sacrifice. Il mourra et par son sang, nous avons été rachetés. Tu me suis? Amen. Est-ce que tu es là? Amen. On peut avancer. Amen. C'est tellement important que tu comprennes parce qu'on doit poser ce fondement pour que tu arrives à comprendre et nous allons foncer. Ce qui va se passer, c'est que Christ a payé le sang, le prix de sa vie par son sang. Il a fait une nouvelle alliance. C'est ce que nous parlons de nouvelle alliance. Et aujourd'hui, nous sommes devenus des chrétiens. Le sang de Christ nous réclame. Alors, quand tu es choisi, tu es élu. C'est comme ça que, même si le diable te récupérait ou te volait, mais le sang de Jésus te réclame. Parce qu'il peut te donner la vie. Inversement, c'est la même chose. Les personnes qui sont liées dans des familles où il y a eu des sacrifices, des choses qui se sont faites déjà, quand la personne n'arrive pas à accomplir ses sacrifices, il y a maintenant des réclamations qui commencent à se passer. C'est comme ça, tu vas voir que non, la personne qui avait signé un pacte, hein, ma mère, la personne qui a signé un pacte de devenir beaucoup d'argent par la prostitution, par exemple, à un certain moment, si cette personne-là meurt ou cette personne-là arrête de faire ses pratiques et des sacrifices qu'il a failli, comme les liens existent toujours, ça va commencer à réclamer. Et même si la personne aussi aspire au mariage, le mariage sera très difficile pour cette personne-là. Voilà. Parce qu'il y a quelque chose qui lui retient encore, qui lui réclame. Donc, une telle personne, étant donné que la mission n'est pas accomplie, sera toujours en train de struggle. Étant donné que ce lien-là ne sera pas coupé, il sera toujours dans des struggles. Il aura toujours des problèmes. Il y aura toujours quelque chose qui va commencer à lui réclamer. Est-ce que tu es là, bien-aimé? Et si je rajoute à ce que maman est en train de dire, en allant encore plus loin, tu vas voir que la personne, même si c'est la personne qui avait signé les liens, comme toi, tu es la descendance dans cette lignée-là. Tu es descendant dans cette lignée-là, les mêmes choses vont commencer à te réclamer. C'est-à-dire que si toi tu ne pries pas, si toi tu ne prends pas compte de couper ces liens-là, alors ça va demander que tu puisses donner des sacrifices. Et les conséquences de ces sacrifices, c'est ce que nous voyons. C'est comme ça que les personnes meurent, les personnes deviennent, oh non, la personne ici devient prostituée, la personne ici devient ivrogne, la personne ici devient pauvre, parce que la personne avait pris le fétiche pour devenir riche. Maintenant, quand il ne donne plus de sacrifices, alors il faut que quelqu'un... Donc, on va voler maintenant cette richesse-là, le peu que vous aviez. Amen. Alors, pourquoi j'ai parlé et puis expliquer ces choses? Parce que Dieu, quand il nous a rachetés par le sang de l'agneau immolé, et j'ai dit, dans une alliance, dans le mariage, j'avais parlé de ça, dans le mariage, il y a aussi des clauses qui sont là. Dans une alliance, il y a des clauses. Dans un lien, il y a des clauses. Tu pars chez le magicien, il te dit, tu dois me sacrifier une personne. Quand la personne va mourir par le sang de cette personne, tu deviendras riche. Est-ce que tu es là? Amen. Par ce sang de cette personne, tu deviendras riche. Quand tu ne donnes pas toi-même, il y a des conséquences. Tu meurs. C'est comme ça que ça se passe. Et c'est Dieu aussi, il a envoyé son fils pour qu'il puisse mourir. Christ s'est sacrifié, il a accepté. C'est comme ça que le verset que nous avons lu, il dit, le deuxième verset, Éphésiens chapitre 5, 8 et à 10, il dit, autrefois vous étiez ténèbres. Parce qu'on était morts déjà. Mais il y a une personne qui a payé le prix pour nous. Amen. C'est comme ça, c'est que maman a dit, maintenant ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Parce que pour preuve, quand tu demandes, tu fais la prière, nous demandons au nom de qui? Au nom de Jésus. Parce que nous ne nous méritons pas, nous ne sommes pas capables de payer le prix. Amen.
les sacrifices dans cette nouvelle alliance. Amen. Pour que nous bénéficions de bienfaits de cette alliance. Pour que tu bénéficies des temps de la grâce. Amen. Pour qu'aujourd'hui tu sois en vie malgré que tu es en train de pécher. Dans les temps anciens, c'était quoi? Tu mens, pouf, Ananias et Saphir. Qu'est-ce qui s'est passé? Directement. Dès qu'ils ont menti, la terre s'est ouverte et puis ils étaient engloutis. Pardon, ils sont morts. Donc, il y avait... C'était les tic au tac. Yes. Tu pèches, tu as des sanctions. Tu pèches, il faut ramener des sacrifices. Il faut ramener des bouts. Il y avait beaucoup de cérémonies pour arriver à obtenir la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu. Mais la vie de Jésus-Christ qui a été donnée comme offrande, Jésus-Christ s'est lui-même donné, ça fait assez qu'aujourd'hui, nous vivons dans les temps de la grâce. Amen. Nous vivons la grâce de Dieu. Tu peux mentir, mais Dieu il a élargi encore son cœur. Il te regarde, il dit, ah, j'attends le bon moment qu'il puisse revenir à la raison, qu'il puisse se repentir pour que je puisse les reprendre entre mes mains. Donc, c'est ça la grâce que nous recevons par les sons de Jésus-Christ. Et il y a même au-delà, au-delà dans cette grâce-là. C'est comme tout ce qui est accompagné de cette grâce-là, c'est ce que maman dit. Les enfants que tu as, c'est par la grâce de cette alliance-là. Amen. C'est comme ça que tu vois qu'il y a d'autres personnes qui n'arrivent pas à avoir des enfants. Toi, tu es malade, tu pries au nom de Jésus, tu es guéri. Amen. C'est la grâce qui vient par rapport à cette alliance-là. Ta bénédiction, en fait, dépend, en un mot, ta bénédiction dépend de cette alliance-là. Maintenant, quand toi, tu ne respectes pas l'alliance, quand tu ne respectes pas l'alliance, tu ne bénéficies plus de cette grâce. Mm-hmm. Parce que c'est le fameux rendez-vous du donner et du recevoir. Toi, tu ne comprends pas ça. Non, c'est là. Voilà pourquoi je voulais t'expliquer un peu, pour que tu comprennes un peu ce fondement-là. Parce que certaines des conséquences que tu es en train de subir, certaines maladies que tu es en train de subir, certaines souffrances que tu es en train de traverser, ce n'est pas orchestré nécessairement par les diables. Mm-hmm. Ce n'est pas orchestré nécessairement par tes ennemis. C'est parce que tu n'arrives pas à respecter le clause de l'alliance. C'est parce que tu n'arrives pas à faire scrupuleusement ce qui s'est passé dans cette alliance que Dieu a fait. Et voilà pourquoi Paul, comprenant cela, il a exhorté le chrétien des Romains. Nous, aujourd'hui, ce message nous concerne encore. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu. Il dit par la compassion de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est compatissant. Amen. Il sait que nous ne sommes pas dignes. Mais par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Saint. Saint. Parce que c'est Christ qui vit en nous. Voilà Amen. Pourquoi maman dit c'est Christ qui vit en nous. Et quand donné que Christ vit en nous, malgré nos fautes, nous sommes déclarés des justes. Et c'est ça la sainteté qu'on parle ici. Parce que toi, tu es un pécheur. Mais par le sang de l'agneau immolé, tu es devenu juste. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, maman Fifi Moussouani. Donc, c'est comme ça. Les choses que nous sommes en train de vous montrer ici, bien-aimés, ces enseignements ici, bien-aimés, si tu respectes cela, tu vas voir qu'il y aura certaines prières que tu ne feras plus dans ta vie. Le comportement, la manière que tu vivras simplement va faire la délivrance de toi. Ah, je crois que je parle à quelqu'un. Alléluia. Ces choses ici, quand tu les suis, tu l'appliques, bien-aimé, tu vas voir que ta vie va commencer à changer petit à petit. Tu vas commencer à faire l'autodélivrance. Tu n'as pas besoin seulement que le pasteur impose la main pour que tu puisses être guéri. Amen. Pour que ta vie puisse changer. Alors il dit, un sacrifice, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est de votre part un culte raisonnable. C'est yes. ça que Dieu, l'apôtre Paul nous a exhorté. Maintenant, on parle maintenant des sacrifices de soi. C'est là où maintenant maman avait posé la question. Maintenant, on tombe sur ça. On va juste introduire déjà aujourd'hui et on peut même continuer encore d'en parler demain. Maman va nous expliquer un peu maintenant certains points qui concernent les sacrifices de soi. Ou c'est quoi les sacrifices de soi? Comment on appelle ça? L'offrande. T'es donné comme offrande à Dieu. Amen. T'es donné comme offrande à Dieu. C'est ce que nous parlons maintenant. Alléluia. L'offrande à Dieu. Yes. C'est quoi maintenant? En tout cas, comme on a déjà défini c'est quoi l'offrande, et l'offrande de soi, on avait déjà parlé de ça.
Je veux rajouter ceci. La Bible nous dit, tu peux remettre le verset s'il te plaît, je vais juste utiliser ce verset là pour expliquer un peu au peuple de Dieu ce que Dieu attend de nous. Quand il nous dit, quand la Bible nous exhorte de nous donner comme un sacrifice vivant. Donc ça signifie quoi? Ça signifie que toi comme tu es là, tu te donnes complètement à Dieu. Complètement. Ne donne pas ton œil gauche et que tu gardes ton œil droit. Non. Amen, amen, amen. La parole de Dieu, on ne discute pas. C'est 100% OK. Mm-hmm. Quand tu fais 50-50, tu es un pied dedans, un pied dehors et ça ne marche pas. Amen. Même dans les temps, quand les gens donnaient des sacrifices, ils ne ramenaient pas des ânes avec des défauts. Non, ils ne ramenaient pas des sacrifices qui sont des déchets de leurs avoirs. Amen. Non. C'est comme ça même la Bible nous dit ceci. Les un dixième, c'est les un sur dix. Un sur dix, donc c'est les prémices. Les premières parties, les parties les plus importantes, c'est ce qu'on offre à l'Éternel. Amen. Amen, bien-aimé. Amen. Comment tu vas offrir à l'Éternel un soie qui est très sale, un soie qui est déjà plein d'impudicité, Amen. Un soie qui est un corps. Quand je dis soie, donc c'est toi. Yes, comment tu peux t'offrir à l'Éternel étant impudique, étant ivrogne, yes. étant calominatrice, calominateur, étant je ne sais pas moi quoi, voleur, menteuse, menteur, envieur. Comment tu peux accepter d'offrir à l'Éternel un tel sacrifice de soie? Dieu ne va pas accepter ça. Avant que tu te donnes comme sacrifice à l'Éternel, tu dois te purifier par le sang de Jésus. Amen. Ce sang là qui a pour Amen. Moi, c'est Amen. Ce que tu dois utiliser pour te laver, yes. pour te purifier. La Bible dit ceci dans Éphésiens 5, le verset 8. Marchez comme des enfants de lumière. Amen, amen. Un enfant de lumière ne marche pas dans les péchés. Amen. Il ne marche pas dans les critiques. Et si kabaton a rendu si kayo vanda, tu ne peux pas faire ça. Un enfant de Dieu ne peut pas résider là où il y a des moqueries. Tu vois un serviteur de Dieu en train de passer. Yekuta laksanini. Yekutu. Non. Respecte l'homme de Dieu. Tu es en train d'appeler le malheur sur toi. La Bible dit ceci. La Bible dit ceci, on doit respecter le oin de l'Éternel. Ce n'est pas toi qui l'as choisi, c'est Dieu qui l'a choisi et Amen. Il l'a établi. Amen. Ce n'est pas à toi d'aller commencer à parloter, juger, critiquer, te moquer de lui. Amen. Non, bien-aimé, arrête de t'attirer cette malédiction pour rien. Si ça ne te touche pas, c'est que la Bible dit là sur les mains vertes, les dents cassées peuvent descendre sur tes enfants. Parce que c'est comme ça que la malédiction descend. C'est comme ça que la malédiction descend. Amen, bien-aimé. Amen. Donc là, quand tu es en train d'offrir ça comme sacrifice, tu dois te rassurer que c'est bien propre, que ça vit dans la crainte de Dieu, que ça marche selon les normes de l'Éternel. C'est ça les sacrifices que Dieu veut. Tu peux commencer à dormir par terre chaque jour, mais si ton cœur là est plein de haine, tu n'auras pas ce que tu es en train de désirer. Et Dieu n'acceptera pas ton sacrifice. Amen. Pourquoi Dieu n'acceptait pas les sacrifices de Caïn? Pourquoi? Parce qu'il avait un cœur plein de haine envers son frère, envers ton bien-aimé. Toi, tu es toujours là, plein de haine, plein d'envie. Tu es là, tu es l'autre, comme si donc celui-là, si tu as l'opportunité même de mettre fin à sa vie, tu vas le faire. Amen, bien-aimé. Amen. Tu ne dois pas vivre cette vie-là. Tu dois vivre une vie pleine d'amour envers les autres. Pleine de considération. Tu dois accepter les bénédictions de l'autre. Tu dois compatir au malheur des autres. Ça ne doit pas être le sujet pour toi de te réjouir. Quand l'autre manque, tu dois lui venir en aide. Si tu ne le fais pas, c'est comme ça que Jésus va te demander. Ces jours-là, je manquais. Est-ce que tu m'avais donné? Je n'avais pas l'habit. Est-ce que tu m'avais vêti? Je n'avais pas à manger. Est-ce que tu m'avais donné à manger? Pourquoi? Parce que lui, il ne viendra pas physiquement.
Mais c'est l'autre là qui est à côté de toi que tu es, qui représente Jésus-Christ. Amen. Marche comme un enfant de lumière. Un enfant de lumière, là où il est, il apporte la lumière. Là où il est, quand il commence à entendre les noms des gens, c'est cité, il dit non, prions pour cette personne. Là où il est, quand il entend des problèmes commencer à surgir, il dit non, mettons ça dans la prière. Arrêtons un peu ça. Cherchons la face de Dieu pour ceci ou pour cela. Parce que Dieu est la solution. Tes critiques ne vont pas apporter la solution. Tes moqueries ne vont pas changer cette personne. Amen, bien-aimé. Amen. C'est comme ça que la Bible nous demande de marcher. Mmh. Et en tant qu'enfant de lumière, tu peux te réveiller le matin, tu dis « Nabi kabiye, zwangae, zwanga. » Tu te donnes à l'Éternel, tu dis « Seigneur, me voici, je me donne à toi. » Amen. Et il va accepter ton sacrifice. Mmh. Tu dois accepter de donner ton corps, ton âme, ton esprit à l'Éternel. Tout ce qui est à toi doit être au service de l'Éternel. Amen, bien-aimé. Ton argent doit être au service de l'Éternel. Parce que c'est lui qui te donne. Quand toi tu lui redonnes, il te bénit davantage. N'est-ce pas? Le livre de Malachi nous dit quoi? Que quand on donne à l'Éternel, il ouvre les écluses des cieux pour nous. Amen, bien-aimé. Quand tu donnes le temps à l'Éternel, l'Éternel aussi te donne encore plus de temps. Le temps que toi, tu peux donner une heure du temps. Mais l'Éternel peut arriver à te donner même 10 ans de plus de vie. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Est-ce que tu es là, bien-aimé? Toi, tu donnes à l'Éternel, lui aussi te donne. Tu lui donnes, il te donne. Amen. 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 C'est ça les sacrifices que Dieu veut. C'est ça qu'il veut. C'est ça. Alors, bien-aimé, donne-toi, offre-toi comme un sacrifice à l'Éternel. Amen. Aujourd'hui, maman a beaucoup parlé, il a martelé sur ça. Et revenant toujours sur le livre de Romains, chapitre 12, le verset 1, il dit à votre corps comme un service, un sacrifice vivant. Un sacrifice vivant, quelque chose qui vit, pas un mort, bien-aimé. Tu pars à l'église, tu n'es même pas là. Tu viens à l'église simplement pour donner, pour faire voir aux gens que je suis là. Mais ton esprit n'est pas là. J'aimerais simplement dire à une personne, tu te connectes à cet endroit ici. Pourquoi tu te connectes ici, bien-aimé? On ne peut pas faire semblant avec Dieu. On ne peut pas faire semblant avec Dieu. Tu peux me tromper, moi, le pasteur. Tu peux tromper ton mari, tu peux tromper ta femme. Mais tu ne peux pas tromper Dieu. Amen. Tu peux sortir, tu fais des débauches et puis tu viens à l'église, bien-aimé. Aujourd'hui, quand on entend parler de la repentance, les gens ne parlent plus, ne veulent plus écouter le message de repentance. Ce genre de message, quand nous en parlons, vous ne voulez pas écouter. Vous voulez que le pasteur vous prêche simplement sur la bénédiction. Vous voulez que le pasteur vous prêche simplement que non, voilà, c'est ton oncle, c'est ta tante qui est derrière ce malheur. Non, bien-aimé. Je suis venu te dire, offre-toi comme un sacrifice agréable, un sacrifice saint à l'Éternel. Et tu verras, ta vie va changer. Amen. Je ne peux pas faire semblant. Moi, je ne peux pas te mentir. Je veux que ta vie change. Nous voulons que votre vie puisse changer. Et nous vous montrons qu'est-ce qui ne marche pas. Pourquoi certaines choses ne marchent pas. Depuis quand tu as commencé à prier, combien d'églises que tu as changé. Le problème, ce n'est pas les églises. Le problème, ce n'est pas nécessairement le pasteur. Ils ont leur part de responsabilité, mais aujourd'hui, nous sommes venus te parler toi-même. Nous venons parce que nous, notre rôle, en fait, pour ceux qui n'ont jamais compris, on tient simplement à vous rappeler, que ce soit Ozana Magazine, que ce soit nous, moi personnellement, en tant que pasteur serviteur de Dieu, nous avons un message de veille. Donc, la prise de conscience, tu dois prendre la conscience spirituelle, tu dois prendre le souci de ta vie. Arrête de se focaliser sur la vie des autres. Arrête de regarder les autres. Arrête simplement de continuer à culpabiliser les autres pendant que le problème, c'est toi-même. Surtout les chrétiens de diaspora, bien-aimés. Coca-Cola. Comment vous appelez en français? Coca-Cola. Vous diminuez, vous réduisez ce que vous donnez à l'Éternel. Il dit sacrifice vivant, mais on rajoute ici agréable à Dieu.
Est-ce que ce que tu rends à l'Éternel est agréable? Parce qu'aujourd'hui, quand tu fais quelque chose, tu fais les choses pour qu'une personne te voie. Mm-hmm. Quand aujourd'hui, tu es en train de faire des choses, tu fais des choses pour que le pasteur te voie. Même l'offrande, toi, tu donnes en dernier lieu. Quand tout le monde rentre et s'assoit, toi, tu pars donner ton offrande. Parce qu'on doit voir que toi, tu avais donné ton offrande. Mm. Quand toi, tu chantes, ton micro doit être toujours au-dessus. Pourquoi? Parce qu'on doit sentir que moi, j'essaie de chanter par rapport à l'autre. Amen. Amen. La manière dont toi, tu t'habilles, il faut que tu vraiment fasses de bruit pour que tout le monde remarque. Tu reçois des compliments, mais le remarque, tu ne veux pas. Mm. Et quand le pasteur te fait simplement un peu de remarque, je quitte l'église parce que ce pasteur-là n'est pas bien. L'offrande de soi. C'est donné comme offrande à Dieu. Très important. Très important. Ça va déclencher. Parce que, au fait, quand tu ne te donnes pas comme offrande à Dieu, quand tu ne comprends pas donner offrande à Dieu, ça signifie quoi, bien-aimé? C'est là où tu vas commencer à passer ton temps à l'église. C'est là où tu vas venir accompagner les gens. C'est là où tu seras dans un combat spirituel à vie. Et tu ne te réjouiras jamais de quelque chose. Parce que toi, tu seras de combat en combat. Et tu es en train de combattre toi-même selon la chair parce que l'Esprit de Dieu n'est pas avec toi. Amen. Comment toi tu es en train de combattre l'ennemi, tu cherches à combattre l'ennemi mais tu ne te comportes pas bien. Amen. Amen. Comment toi tu vas aller chercher à combattre ton ennemi pendant que toi-même tu es un idolâtre? Tu vis dans le péché et tu es en train de chercher, voilà pourquoi les combats persiste. Voilà pourquoi tu ne reçois pas la réponse à tes requêtes. Change ton comportement et tu verras les résultats vont changer. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. En tout cas, on va s'arrêter là parce que le temps est avancé. Ce que je vais te dire ce soir, simplement, change ton comportement. Comporte-toi à un enfant de lumière. Tu dois éclairer. Tu dois refléter la gloire de Dieu en toi. Une personne qui s'offre à Dieu, il a une autre manière de parler. Mm. Une personne qui s'offre à Dieu, il a une autre manière de s'habiller. Mm. Une personne qui s'offre à Dieu, il n'a pas besoin qu'un homme puisse être là pour respecter le principe de Dieu. Amen. Quand le pasteur quitte, c'est à ce moment-là que je vais danser des danses obscènes. Quand le pasteur quitte, c'est à ce moment-là que je veux aller voir la femme d'autrui. Quand le pasteur quitte, c'est à ce moment-là, vous comprenez un peu. Mais vous ne rendez pas le service à un pasteur. Vous rendez ce service à Dieu. Yes. Vous rendez le service à Dieu. Je ne viens pas accuser une personne. Nous ne venons pas acculer une personne. Mais on vous parle de la vérité. Et la parole de Dieu a dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Amen. C'est ce qui va briser les liens. C'est ce qui va briser l'emprise du diable. C'est ce qui va briser la maladie en toi. Amen. Tes prières vont changer quand ton comportement change. Mm. Arrêtons de nous appeler des chrétiens par étiquette. Mm. Aujourd'hui, tu t'appelles chrétien. À l'église, tu es chrétien, mais en dehors de l'église, tu n'es pas chrétien. Voilà ton problème. Voilà ton problème, bien-aimé. Voilà ton problème, bien-aimé. Quand le pasteur parle de ce genre de choses, tu dis non, le pasteur devient agressif. Non, le pasteur, il est en train d'attaquer. Non, qui aime bien, châtie bien. Quand nous voyons les choses, on doit vous dire pour que ta vie change. Parce que tout ce que nous voulons, c'est de te voir prospérer à tous égards. Qu'on prospère l'état de ton âme. Amen. Tu ne dois pas simplement être un chrétien. Tu parles en langue, tu pries très bien, tout ça, mais ta vie ne change pas. Ça ne sert à rien. On doit vivre l'évangile, bien-aimé. Tu dois vivre l'évangile. Tu dois voir la main de Dieu sur ta vie. Amen. Amen. Tu dois voir la main de Dieu sur ta vie. Si c'est toi ce soir, dis simplement, je veux voir la main de Dieu sur ma vie. Amen. Ça doit changer. Amen. Dis, je veux voir la main de Dieu sur ma vie. Mm. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Le temps est avancé. Je sais que demain, nous allons partir au travail. Nous allons commencer un peu tôt demain. Et puis, nous allons entrer encore dans la profondeur de l'offrande à Dieu. S'offrir comme offrande à Dieu. C'est quelque chose de très important. C'est quelque chose de très important. Alors, j'aimerais simplement une personne, tu déclares
Je veux m'offrir à Dieu, je veux m'offrir à Dieu. Seigneur, je suis venu devant toi. Je veux m'offrir comme un sacrifice vivant, comme un sacrifice agréable. Oui, papa, moi-même, je ne sais pas. Moi-même, je n'arrive pas. Nous parlerons de cela, bien-aimé. Il y a certaines choses parce que tu es lié par rapport à une ancienne alliance, par rapport à ta famille, par rapport à autre chose. Voilà pourquoi le poids du péché pèse encore sur toi. Mais ce soir, tu dis, Seigneur, délivre-moi parce que je veux être un parfum de bonne odeur. Je veux être un sacrifice vivant. Oui, je veux être saint devant toi, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Parce que moi, je désire voir ta main dans ma vie. Je désire voir ta main dans la vie de mes enfants. Je désire être délivré. Et ce soir, j'ai besoin de toi, Saint-Esprit. Touche-moi encore. Touche-moi encore au nom de Jésus. Quelqu'un est en train de prier avec nous ce soir. Quelqu'un est en train de prier avec nous ce soir. Dis que Seigneur, aide-moi à changer ma vie. Je veux être un parfum de bonne odeur. Je veux être un sacrifice vivant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je suis en train de prier, papa, que tous ces enfants ce soir, Dieu, même les personnes qui écouteront ces messages, touche-le, Saint-Esprit. Brise-le, oh Dieu. Brise-le, Saint-Esprit, afin qu'ils comprennent l'importance, afin qu'ils changent leur façon de voir les choses. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. L'onction de Dieu. L'Esprit de Dieu, que ça te révèle, que ça te révèle maintenant, que ça te montre là où tu ne marches pas bien, là où les choses ne marchent pas bien. Au nom de Jésus, quelqu'un est en train de prier, il dit assez, c'est assez, j'arrête. Ce corps appartient au Saint-Esprit, ce corps est le temple du Saint-Esprit. Oh, les herbes de la chair n'ont pas de place. L'esprit d'impudicité doit quitter, la réclamation familiale doit quitter. Oui, l'esprit d'ivrognerie doit quitter, l'esprit de drogue doit quitter dans ma vie, dans la vie de mes enfants, dans la vie de mon partenaire. Au nom de Jésus, chasse maintenant, refuse toutes les déclarations qui ont été faites contre ta vie, toute l'influence du monde des ténèbres, toute l'influence des œuvres de la chair, réclame, oh, refuse cela maintenant. Au nom de Jésus, je refuse l'esprit de drogue. Je refuse les conséquences des alliances familiales. Je suis dans une nouvelle alliance. Au nom de Jésus, quelqu'un est en train de déclarer pendant que tu es en train de prier, j'appartiens dans une nouvelle alliance. Toutes les réclamations liées par rapport à l'ancienne alliance, vous n'avez pas de place, vous n'avez pas de puissance dans ma vie, dans ma famille, dans la vie de mes enfants. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Oui, oui, bien-aimé, parce qu'il y a certaines de ces œuvres de chair que tu es en train de faire, c'est parce qu'il y a encore des réclamations. C'est parce qu'il y a encore dans ton ADN, il y a encore ces séquelles qui coulent encore en toi. Et tu es en train de refuser les esprits de divorce, les esprits d'impudicité, de drogue, de l'alcoolisme, d'insolence, donc de tout ce qui est œuvre de la chair. Tu dis, tu n'as pas de puissance. Christ a tout payé. Tu as été pardonné. La parole de Dieu a dit ce soir, tu es appelé juste par Christ. Et Dieu, et puis la parole de Dieu rajoute, je puis tout par celui qui m'a quoi? Qui me fortifie. Alors tu es en train de prier maintenant. Tu dis, toutes ces anciennes alliances n'ont pas de pouvoir. Toutes les réclamations, les conséquences de ces anciennes alliances, je ne veux pas. Je veux vivre selon la nouvelle alliance. Maintenant tu commences à appeler le Saint-Esprit, de transformer le mal en bien, de transformer tes faiblesses en qualité. Tu es en train de prier, c'est possible, bien-aimé. Ne pense pas que c'est de toi-même. Ne pense pas que moi, j'ai arrêté l'impudicité par moi-même. Ne pense que moi, j'ai arrêté l'ivrognerie par moi-même. C'est parce que le Saint-Esprit a aidé chaque instant qui se passe. Tu es en train d'aider. Il est en train de t'aider. Voilà pourquoi tu dis, Saint-Esprit, je suis prêt. Je m'abandonne. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Commence à transformer. Commence à faire sortir. Oui, tout ce qui est du mal, que ça libère maintenant. Que ça laisse place maintenant. Commence à faire. Commence à faire. Tu vois, pendant que je suis en train de prier, l'Esprit de Dieu est en train de me montrer qu'il y a une personne maintenant là. L'Esprit de Dieu est en train de remplacer tes faiblesses en qualité. Les choses que tu n'arrivais pas à faire sont en train de changer dans ta vie maintenant. Oui, parce qu'il m'a fait voir l'image du vin.
Tu vois, quand Christ est en train de déverser le vin, dans la fête de Cana, c'est ça l'image que le Saint-Esprit m'a ramené. Dans la fête de Cana, il y avait des calebasses. Ces calebasses avaient de l'eau, bien-aimé. De l'eau qui était là, qui était sale, qu'on utilisait pour laver les pieds. Mais quand Jésus, Marie est venue à Jésus, il dit, il n'y a plus de vin. Jésus déclare, il dit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Et directement, il tourne, il regarde aux disciples, il dit, faites ce qu'il va leur demander, ce qu'il va vous demander. Qu'est-ce qui va s'est passé. Christ a dit, prenez de l'eau, remplissez ces vases. Ils ont rempli, ils n'ont pas déversé, mais ils ont rempli. Je suis en train de voir quelqu'un avec tes anciennes caractères simplement, avec tes mauvaises habitudes simplement. L'Esprit de Dieu est en train de déverser une nouvelle onction en toi. L'Esprit de Dieu, je déclare et je décrète en tant qu'un serviteur de Dieu, à partir de maintenant, le mal est en train de libérer ta vie. À partir de maintenant, les œuvres de la chair libèrent ta vie. À partir de maintenant, l'esprit de calomnie libère ta vie. L'esprit d'impudicité libère ta vie. Au nom puissant et glorieux de Jésus, vous n'avez pas de pouvoir, vous n'avez pas de puissance. Ainsi dit l'Éternel. J'ai dit ainsi dit l'Éternel. Oui. Et ce qui va se passer, c'est que les disciples ont pris de l'eau, les calebasses, ils l'ont transporté. La parole de Dieu a dit, ce n'était pas à cet instant que l'eau était transformée en vin. Mais quand ils déversaient, soudainement, l'eau s'est transformée en vin. Un vin même qui était plus que ça. Je suis en train de prier, je suis en train de déclarer dans ta vie maintenant que tu montes en qualité, que tu brilles maintenant dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Tu seras un enfant de lumière, tu vas marcher avec la lumière de Dieu, tu vas étonner, tu vas épater les gens au nom puissant et glorieux de Jésus. Reçois maintenant, je déclare, reçois maintenant au nom puissant et glorieux de Jésus. Merci papa, merci Seigneur, merci au Dieu, merci Seigneur. Reba brosse yandara baba, ma brosse ke yandara baba. Oui, oui, reçois maintenant, maintenant là ta vie va se transformer, tu seras un enfant de lumière maintenant, et plus jamais un enfant de ténèbres. Les gens seront étonnés de toi, les gens vont dire que c'est cette personne que nous avons connue, oui, ils ne vont plus te reconnaître bien aimé, ils vont plus te reconnaître, parce que la grâce de Dieu va te localiser, la grâce de Dieu t'a déjà localisé maintenant, reçois simplement, reçois, si c'est toi simplement, j'aimerais que toi fasses simplement une personne disent amen, amen et amen. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Merci tendre Père pour ces instants. Je prie en tant que ton serviteur d'accompagner les déclarations prophétiques qui s'est passées maintenant. Parce que ta parole a dit, toi, tu accompagnes toujours la parole de ton serviteur. Oui, je suis en train de voir une nouvelle armée, une nouvelle catégorie des enfants de Dieu qui vont éclairer leurs entreprises, qui vont éclairer leurs maisons à travers le changement qui va se passer dans leur vie. Reba brosse yakanda babrasse. À travers ces changements qui vont se passer dans leur vie. Oui, les gens viendront vers toi. Les gens vont se convertir, papa. Je suis en train de prier que tout esprit du vonnerie va quitter. L'esprit d'impudicité va quitter. L'esprit d'insolence va quitter. Le manque du respect va quitter. Oh, l'esprit de cupidité va quitter. L'esprit d'envie va quitter dans la vie de ton peuple maintenant. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Reçois simplement maintenant. Reçois, reçois. Je souffle maintenant un nouvel esprit. Je souffle maintenant l'esprit de Dieu dans ta maison, dans ta vie maintenant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que les œuvres de la chair, à partir de leurs racines, que ça puisse être brisé maintenant. Au nom de Jésus. Plus jamais l'esprit de distraction maintenant dans ta vie, au nom puissant et glorieux de Jésus. Amen, amen, amen. Et nous allons transitionner rapidement. Nous allons faire une prière rapidement des délicaces par rapport à ce mois d'octobre que nous allons commencer. Oui, pendant que les gens ont peur, que non plus nous sommes en train d'avancer maintenant. C'est le fall, après c'est l'hiver. Non, la maladie va venir. Oui, le corona va encore faire surface. Les gens ont commencé à acheter des choses, je ne sais pas moi quoi. Je t'ai dit et je décrète dans ta vie. Oui, tu n'es pas une personne qui dépend des circonstances de la vie. Tu n'es pas dirigé, ta vie n'est pas dirigée par les circonstances et les événements de la vie. Mais ta vie est dirigée par l'Esprit de Dieu et le principe de Dieu. Mais
Maintenant, j'aimerais qu'une personne commence à prier. Tu es en train de refuser toute maladie. Tu es en train de dire que je ne tomberai pas malade. Je ne mourrai pas. Oui, la grâce de Dieu va m'accompagner durant ce mois ici. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Maman va nous conduire pendant quelques minutes, pendant ces instants de prière, de dédicace pour le mois d'octobre. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Alléluia. Nous allons prier. Nous allons simplement repousser les ténèbres. Yes, yes, yes. Repousser les ténèbres. Au nom de Jésus. Repousser tous les plans de l'ennemi contre ce mois d'octobre. Nous allons dire, la parole de Dieu dit ceci. Je ne mourrai pas. Je proclamerai les œuvres de l'Éternel. Nous sommes des témoignages vivants. Alors nous allons témoigner les merveilles de l'Éternel. Nous allons prier, nous allons dire. Arrière, esprit de maladie, de pandémie, arrière de nous tout esprit d'accident, esprit de mort, esprit de dépression, tout ce qui est de l'ennemi, nous sommes en train de les chasser loin de nous. Au nom puissant de Jésus, bien aimé, je veux que tu commences à prier, à prier maintenant. Je suis en train de repousser. Je suis en train de repousser tous les plans de l'ennemi contre ce mois. Je suis en train de repousser sur le nom de Jésus. Je repousse tout ce qui est de l'échec. Tout ce qui est des maladies, tout ce qui est des surmenages, tout ce qui est des esprits des accidents, des esprits des morts, des morts subites. Au nom de Jésus, je suis en train de repousser cela. Je suis en train de repousser cela. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Bien aimé, je vais demander à ceux-là qui ont des enfants. Commence maintenant à prier pour tes enfants. Dis, Seigneur, je suis en train de prier maintenant. La protection de mes enfants. Je suis en train de prier que ta main demeure sur eux. Même si jamais ils doivent aller physiquement à l'école, aucune chose ne va les atteindre. Les diables viendront de gauche, de droite, mais ne les touchera pas. Et bien aimé, commence maintenant à prier. Au nom de Jésus. Je prie maintenant pour tous les enfants que tu nous as donnés, Seigneur. Je prie pour eux que tout ce qui est plan de l'ennemi contre leur vie soit maintenant loisé au nom de Jésus. Tu as dit toute arme forgée contre moi sera nulle et sans effet. Même s'ils reprennent les études, même s'ils partent où, dans les églises quand nous partons, dans les shopping quand nous partons, dans les stores quand nous partons, je suis en train de prier ce soir que rien ne va atteindre ses enfants, qu'aucune chose ne va les toucher. Rien ne va atteindre mon épouse, rien ne va atteindre mon travail, au nom de Jésus. Oui, nous allons prier, pour nos finances. Nous allons dire à l'Éternel que maintenant là, ça ne sera pas un temps de crise pour nous. Nous allons déclarer que Dieu et l'Éternel va multiplier ce qui est dans nos comptes bancaires. Parce que ce que Dieu nous a donné, aucun dévoreur ne peut venir dévorer cela. Parce que c'est scellé dans le sang de Jésus. Nous allons prier pour nos finances pendant ces mois. Nous ne manquerons de rien. Les extra bills ne viendront pas dans nos adresses. Tout ce qui est extra pour venir dévorer nos finances ne nous verra pas. Que toute personne qui viennent dévorer, l'esprit de dépenses sans contrôler, tu n'as pas de place, tu n'as pas de pouvoir, au nom puissant et glorieux de Jésus. Aucune personne ne vienne pour dévorer, au nom puissant et glorieux de Jésus. Ce que toi tu nous as donné, Seigneur, que cela soit conservé sous ton sang. Merci Seigneur Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tendre Père, nous crions vers toi maintenant. Yes. Je dédie ton peuple à toi et à toi seul. Ils t'appartiennent. Tu connais tout en chacun de nous. Nous avons nos problèmes qui sont là. Nous avons des liens qui sont là. Nous avons, Seigneur, oui, des alliances qui ont été signées. Mais maintenant, par la puissance qui m'a été investie, encore une fois de plus, je déclare ton peuple libre maintenant de toutes les anciennes alliances dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Car ta parole dit, toi tu es venu pour libérer les captifs. Oui, pour libérer les captifs. Et tu as rajouté, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront des malades. À mon nom, ils libéreront les captifs. Et cela puisse être leur partage maintenant. Cela puisse être ton partage maintenant. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Que tout ce qui bloquait ta vie, que tout ce qui condamnait ta vie, puisse lâcher maintenant au nom de Jésus. L'esprit de divorce lâche. L'esprit de maladie lâche maintenant. Toutes les réclamations, retour à l'expéditeur au nom puissant et glorieux de Jésus. Que le sang de l'agneau immolé, le sang de la nouvelle alliance, que plutôt cela te réclame maintenant. Même si tu étais déjà hors, que ça puisse te
reprendre maintenant comme l'enfant prodige. Oui, dans les noms puissants et glorieux de Jésus, que le sang de l'agneau immolé te couvre, que le sang de l'agneau immolé pardonne tes péchés. Et que les déclarations que tu as faites ce soir, par rapport à ta propre vie, que cela puisse être oui et amen. Que ça puisse accomplir maintenant. Que ce mois d'octobre puisse être un mois béni. Puisse être un mois, tu vas te propulser. Malgré la pandémie, malgré les circonstances qui sont en train de se passer, toi, tu témoigneras. Amen. Toi, tu témoigneras dans ton mariage, dans tes finances, merci, dans tes santé, dans ta santé, dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Reçois cela maintenant au nom puissant et glorieux de Jésus. Je termine par ce cantique de Psaume chapitre 23. Cantique de David. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il résume mon âme. Il me conduit dans les sentiers de justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes ennemis. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Au nom puissant et glorieux de Jésus, cela puisse être ton partage. Tu dis simplement trois fois, amen, amen et amen. Gloire à l'Éternel. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. En tout cas, que l'Éternel vous bénisse, bien-aimés. Que l'Éternel vous fasse du bien. Merci, la servante de l'Éternel, pour cet encouragement tellement puissant, pour cette parole et cette déclaration prophétique que tu as fait dans la vie de nous, les enfants de Dieu. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Reposez-vous et demain, que Dieu soit avec vous, que sa grâce vous accompagne dans tout ce que vous allez entreprendre. On va se retrouver demain, 20h juste, pour continuer cette série qui va changer et libérer tes liens, qui va changer et libérer ta vie et tout ce qui était bloqué dans ta vie. Maman Florentine, Maman Antonika, Maman Tania, Maman Mercier, en tout cas, Maman Abigail. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse et nous bénisse tous. Amen. Allez, ciao, ciao. À demain alors. Abba, papa, mon thème, et tandis, ami, n'a pas ça, n'a yoé. Abba, papa, mon limon, et so ganga, colou, kayoé, colou.